Clown Radio. Clown Radio. Clown Radio. Bienvenue sur Clown Radio. Vous êtes toujours sur Clown Radio, on espère que vous allez bien. Et justement, au standard, on a Alice. Hé hey Alice, comment tu vas? Bonjour. Salut Alice. Alors Alice, tu nous as téléphoné pour nous parler d'un accident que t'as eu il y a un bon moment déjà, et franchement c'est pas beau à voir. Ouais, alors j'ai vu la photo que tu nous as envoyée, perso j'ai eu mal pour toi. Au début j'y ai même pas cru, j'ai pensé que c'était de la confiture, de la pâte ou un truc du genre, tu vois. Ouais, c'est clair, ça a presque pas l'air vrai en fait. Ah bah oui, pour le coup, on dirait vraiment que t'as confondu ta joue avec un steak, je sais pas, on t'a foutu une poêle sur la gueule ou... Bravo Greg. En tout cas Alice, on te soutient, on t'embrasse et puis on te remercie de nous avoir appelé. Ouais, salut Alice, bonne chance pour la suite. Salut à tous, c'est toujours Sandra et Greg sur Clown Radio, première radio de France, hein, grâce à vous les petits loulous, merci beaucoup, on vous aime. Tout à fait, on va commencer avec la séquence Winner ou Loser, le plus insolite, la crème du web. Alors, première info, un Américain a acheté pour $14,000 de chaussettes de luxe. Par exemple, Greg, actuellement, est en pyjama. Bon, alors moi, je me réveille un petit peu plus tard que Sandra le matin. Oui, ça c'est sûr. L'invité du jour sur Clown Radio, c'est Anita Delicier. Anita Delicier qui va nous parler de son nouveau film, Trois femmes et une merguez. Mais alors Anita, la première question que je vais te poser, désolé, mais c'est pour avoir le rôle dans ce film. Est-ce que t'es passé sous le barbecue? Merci beaucoup Anita. Voilà, c'était Anita PDF. Non, pardon, oh, j'accroche. C'était Anita sur le radio. Et tout de suite après cette playlist délicieuse du soir, bonsoir, je vous invite à écouter la jolie voix de Lisa, car Lisa est avec nous. Comment vas-tu Lisa? Ça va. Alors Lisa, tu veux devenir chanteuse et tu postes des covers sur internet, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Et ben on va écouter ça. You were the shadow to my light, did you feel us? Another star, you fade away. Désolé, j'ai été obligé de couper là. Lisa, c'est pas possible, t'as un don, t'as quelque chose. Tu serais pas le sosie vocal de Madonna? Ouais, c'est exactement ce que je voulais dire. Non, mais Lisa, t'inquiète pas, en fait, c'est pas méchant. Non, mais c'est juste le début qui nous a fait un peu rire, mais c'est peut-être bien après, hein, on continue à écouter. Non, mais bon, arrête de critiquer, de toute façon, toi, tu chantes encore plus mal. Bah, quoi, moi je chante. Bah, attends, tu m'as déjà entendu chanter? Non, vas-y. Ah bah d'accord. Et on fait tourner les serviettes. C'est Serge Gainsbourg. Excellent. Oh, qu'est-ce que t'es drôle, mon petit Greg. Eh ben franchement, je pense que t'as un avenir. Ah merci. Je vais te produire. Mais je pense que Lisa aussi a une carrière. Oui. Lisa. Une carrière. Une super carrière. Super carrière. Ouais, devant elle. Ouais. Loin devant elle. Bon, écoute Lisa, on t'embrasse, on te fait des bisous, on te souhaite bonne chance pour ta carrière. Et puis tous les petits loulous qui veulent lâcher leurs commentaires, hein, hashtag Lisa chanteuse, vous pouvez y aller sur les réseaux. Et on se retrouve très vite, salut. Hashtag Madonna.